ça. Et le gagnant. Et le gagnant, bah, 3-0. Ouais. Comment vous voyez l'équipe de Troyes qui est jeune arrivée dans la Ligue 1? Comment vous la voyez? Comment vous la percevez? Ça va être dur quand même, hein, mais bon. À notre époque, l'argent fait beaucoup de choses, donc Troyes avec leurs moyens, ils font ce qu'ils peuvent, mais ça sera dur. Je pense que ça sera dur pour eux, toute l'année. Bah, c'est un promu, donc on va essayer de rester là, mais ça va pas être... On a attendu. Et nous voilà, le problème c'est qu'on a attendu avec Montpellier, Paris, on a attendu partout. Donc, voilà. Bon, ils ont perdu des joueurs aussi, donc... Après, il faut vraiment trouver... comme un livre, il faut avoir du nez, trouver les bonnes recrues, et puis... Moi, j'ai confiance. L'important, c'est de finir devant Reims. Parce que Reims, bon, Reims, ils ont été chauds hier, ils ont gagné 3-1 face à Montpellier, le champion de France, c'est beau. Mais les stats ce soir, on va gagner devant l'ancien champion de France. Votre pronostic? 2-2. On gagne dans l'esprit. Adam Adivé, très bonne recrue, il a joué encore l'année passée, puis il revient 3 pour son club. Franchement, c'est vraiment le top. On peut jouer de même la Coupe d'Europe, je pense. Vous pouvez croire, c'est le foot. Évidemment, c'est les stacks. On a